Je suis amoureuse du manteau. Salut, salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve ici. Je suis assise sur une chaise avec un joli fond. Non, en fait, je vous explique pourquoi. Parce que là, c'est pas un très très joli fond. À part le mur et ma petite table de nuit où j'ai mis tout mon bazar à portée de main pour le soir. Je suis couchée dans mon lit. Ma petite boîte à télécommande, mes petits trucs, etc. Bon, en fait, c'est pas le sujet. Donc du coup, je vais vous faire des petits essayages de vêtements. Voilà. Donc je savais pas trop où me mettre. Donc je me suis dit, dans ma chambre, ça sera très très bien. C'est parfait. Donc j'ai reçu un hyper gros colis de Shein. Je vous montre la bête. Voilà. J'ai reçu un super gros colis de Shein. En sachant que j'en ai reçu deux autres. Ils m'ont pas envoyé tout en même temps. Du coup, j'ai déjà déballé le reste parce que je pouvais pas attendre, c'était pas possible. Quand je reçois des vêtements Shein, je ne peux pas attendre. Mais je vais quand même déballer ça avec vous. J'ai préparé mon couteau pour ouvrir le carton. Il est bien fermé. Donc pourquoi j'ai reçu un gros colis Shein? Donc j'ai choisi, je suis en collaboration avec eux, ça fait déjà un petit moment. Donc là, j'ai choisi plein d'articles. En fait, moi je suis un peu très originale dans mes goûts. Même Tissène, quand elle m'a vu choisir les articles, elle m'a dit, mais maman, mais il n'y a que toi pour aimer ça. Donc j'espère que vous aurez quand même les mêmes goûts que moi. Et pourquoi j'ai choisi ces habits? Parce que là, depuis le 18, parce que bon, normalement ça a commencé le 18. 18 novembre, on est déjà le 25 ou non, peut-être le 22, je sais plus. Donc ça a déjà commencé, mais c'est le Black Friday. Donc c'est le Black Friday qui a commencé, en fait, chez Shein. Ils ont commencé depuis le 18 jusqu'au 2 novembre. Donc vu que c'est le Black Friday et que chez nous en France, ça vaut rien. Franchement, moi quand je vais dans les magasins Black Friday, ça vaut pas du tout les soldes. Et encore les soldes, des fois on trouve, même souvent on trouve jamais rien. Ou alors on veut toujours l'article qui n'est pas soldé. Donc là, il m'a envoyé des vêtements pour vous montrer mes goûts. Déjà, c'est moi qui ai choisi, donc ça sera des vêtements à mes goûts. Mais il y a tellement d'articles sur Shein que on s'est plus donné de la tête. Alors il me semble que tous les jours, il rajoute 400 ou 4000 habits. Je sais plus. Mais tous les jours, en tout cas, ils rajoutent énormément de vêtements. Donc, ça change, ça change, ça change. Moi, quand je choisis des vêtements sur Shein, honnêtement, j'y mets 2 ou 3 jours. Je vous dis, j'y mets 2 ou 3 jours. Il y a tellement d'articles que je ne sais pas. Donc, vu que c'est le Black Friday, il va y avoir des promotions. Mais c'est pas des petites promotions de 20-15%. Non, c'est des promotions allant jusqu'à 90%. Donc, je vous invite à aller voir sur le site parce que franchement, ça vaut le coup. Et en plus, j'ai un petit code promo de 15%. Donc, je pense qu'il est cumulable. Je ne suis pas sûre, attention. Mais je pense qu'il est peut-être cumulable avec les promos. Je pense. Donc, je vous le mets ici et je vous le mets en barre d'infos. Je vous mets aussi tous les liens de mes articles en barre d'infos. Et vous me direz en commentaire, une fois que je les aurai essayés, ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai des bons goûts? Est-ce que j'ai des goûts ringards? Comme dit Tissène, j'ai des goûts ringards. Donc Tissène, je vous ouvrirai le carton sans toi parce que d'habitude elle est toujours là. Mais là j'avais du temps et je pense que quand elle sera là, j'aurai pas de temps parce que elle a toujours, en ce moment c'est conduite, enfin il y a plein de choses. Donc déjà je vais vous présenter les premiers articles que j'ai reçus. J'espère que je suis pas trouble parce que j'arrête pas de bouger en fait. J'ai des puces au cul, c'est pas possible. J'ai des vers au cul on dit, pardon. Donc je vais vous présenter les premiers articles. Alors, bien sûr, je n'ai pas la taille mannequin, je ne suis pas mince, je le sais, il y a peut-être des articles qui vont me grossir, mais un truc de fou, mais voilà, je vous montre tout en direct et puis vous me dites ce que vous en pensez, ce qui me va, ce qui ne me va pas, les commentaires négatifs, je les prends quand c'est des commentaires constructifs, pas des commentaires de moquerie, parce que se moquer des gens, c'est vite fait, hein, c'est tout le monde peut le faire, se moquer des gens, mais voilà. Si vous avez envie de vous moquer des gens, faites-le, mais dans votre tête, si c'est dans votre nature, mais voilà. Donc déjà, les vêtements que j'ai reçus, que j'ai adoré. D'ailleurs, hier, j'ai porté une robe dans une inauguration Black Store à Toulouse, où j'ai été invitée, et ils ont adoré ma robe. Ils ont dit, mais cette robe, elle est hyper originale, je sais pas où tu l'as trouvée, mais ils ont adoré ma robe. Déjà, pour commencer, je vais vous montrer la veste que j'ai reçue. Voilà, elle est canon, je l'ai mise ce matin, elle est canon. Je voulais une veste longue et assez épaisse. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je vais pas couper parce que je suis encore habillée. Mais quand je ferai les essayages des habits, évidemment, je couperai. Donc voilà. Regardez comment elle est canon. Elle est vraiment canon. Alors j'espère que vous allez bien me voir. Attendez, je vais peut-être monter sur le tabouret.
Non, peut-être pas. Ou alors, ici, voilà. Voilà, franchement, elle est trop belle. J'adore. Ouais, regardez. La qualité, franchement, top. Topissime, la qualité. Elle est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bien. Et trop jolie. J'ai trop aimé. Je voulais une veste, à la base, je la voulais noire. Et quand j'ai vu celle-ci, l'effet comme ceci, là, un petit peu entremêlé, j'ai trop adoré. Alors, la robe que j'ai mise hier et qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée, c'est celle-ci. Alors, en fait, c'est une robe. Une robe est faite ailleurs. Avec, voilà, je vous la montre déjà. En fait, elle est effet tailleur, mais vous allez voir quand je la porte, elle a une petite particularité. Déjà, elle a de la dentelle ici, avec des petits morceaux de tissu qui partent en pointe. Elle a les des petits poils. Elle a les épaulettes, donc ça te fait de suite une carrure classe, quoi, imposante, voilà. Et je vais vous la mettre, je vais vous montrer ce que ça donne, portée. Donc là, je me déshabille, mais vous ne verrez pas. Ok, j'arrive, hein, vous inquiétez pas. Je suis en train de mettre mes collants. Voilà la bête. Voilà, voilà la bête. Donc, comme vous pouvez le constater, bon, je laisse. Alors, j'étais tellement contente de ma robe que j'en ai perdu un bouton dans la soirée. Donc, je le remettrai bientôt. Mais moi, je l'ai ceinturé avec une ceinture. Donc là, j'ai pas pris la ceinture. Mais attendez, il y a une petite ceinture là. Ceinture, ça va pas, c'est pas avec cette robe, hein. Mais je vous montre avec une petite ceinture ce que ça peut donner et il me manque le bouton. Donc avec une petite ceinture, voilà, moi je l'ai ceinturée comme ceci et en fait la particularité, je vous montre, je monte sur la chaise, voilà. Bon, évidemment, elle est hyper, elle est hyper courte, donc moi là, vu qu'elle est hyper courte, j'ai mis une petite jupe noire courte pour que ça fasse moins court parce qu'elle est quand même, je vous montre, sans me casser la figure, elle est quand même hyper courte. Voilà. Donc après, vous voyez, elle est plus longue de ce côté que de celui-là et elle est canon. Elle est vraiment canonissime. Je l'ai trop aimée cette robe. Voilà. Et franchement, elle a fait son petit effet hier à la soirée. Je l'ai mis avec une petite paire de petites bottines et c'était nickel. Je commence à me déshabiller en vidéo, ça va pas du tout. Ensuite, ce que j'ai reçu. Alors ça, j'ai trop aimé, mais il faut laisser avec une paire de baskets. J'ai reçu ça. Alors en ce moment, ça se fait beaucoup. J'en vois plein des filles qui portent ça. Avec une petite paire de baskets blanches et un petit perfecto en cuir. Et je trouve ça magnifique. Alors en fait, c'est un maxi t-shirt. Après là, porter sans chaussures, sans rien, ça donne pas grand chose. Et avec en bas, la petite dentelle. Donc je vais vous essayer ça et je vais vous le montrer. Ah, évidemment, elle a les manches courtes. J'ai mis un petit souplis parce qu'aujourd'hui il fait quand même moins 3 degrés. Voilà. Donc elle est en manches courtes et en fait, je vous montre de loin. Je sais pas si vous allez voir. Après, je pense pas qu'on peut y mettre une ceinture parce que ben, en fait, le dessin est au milieu. Et en fait, voilà. Voilà. Et en fait, putain, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir, je suis trop petite. Hein. Si, je pense que vous allez voir. Et en fait, je sais pas si vous... Attendez, j'ai une idée. Voilà. Voilà, en fait, elle est comme ça au pied. Et je la trouve super mignonne. Avec une petite paire de baskets, ça fait en fait un petit peu un effet sportwear avec des baskets et tout. Franchement, ça va être nickel. Ensuite, ce que j'ai reçu. Dernier article que j'ai reçu avant les autres. Putain, cette vidéo, je crois qu'elle va durer très très longtemps. Je suis désolée. Mais j'ai beaucoup d'articles à vous présenter. Donc elle a duré un petit peu longtemps, je suis souffrée. J'ai reçu une maxi robe en satin. Alors ça en été, j'en ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Il y en avait sur AliExpress, mais j'ai pas osé la commander. Donc du coup là, j'ai vu qu'elle était, Et pareil, avec une petite paire de collants noirs, une petite paire de bottines et un perfecto, ça va donner super beau. Il y a ça et la petite ceinture que j'ai mis avec mon petit perfecto. Donc je vais vous la montrer. Moi j'ai mis un petit débardeur en dessous. Voilà ce que ça donne. Voilà, en fait, elle est hyper... Voilà, elle est longue jusqu'au niveau des chevilles. Et puis, en fait, vous pouvez soit la ceinturer avec cette ceinture ou une ceinture de votre choix ou pas la ceinturer du tout. Voilà, ceinturer, ce que ça donne.
Et je la trouve super belle. L'effet de... Ouh, ça m'a mis de la poussière. L'effet de dentelle, là, ici. Bon, j'ai mis un petit débardeur en dessous, mais l'effet de dentelle, c'est super bon. Aimé. Je vais mettre ma petite veste pour ouvrir le carton, etc. Parce que j'ai un petit peu froid. J'ai un petit peu froid. Donc, allez, c'est parti. Oula, oulala, oulala, ça va pas d'essayer de les habiller. Allez, on ouvre le carton. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on y go. Oh là là, ça commence bien. La pièce que j'attendais le plus est en première loge. La pièce que j'attendais le plus. La pièce que j'attendais le plus, elle est en première loge. Oh là, je l'attendais cette pièce. Franchement, je l'attendais avec impatience. J'espère que la qualité sera à la hauteur de mes espérances. Parce que franchement, je l'attendais, mais... Et en plus, regardez. Regardez, ils savaient que je l'attendais avec impatience et ils m'ont scotché ça. Ah, ça va. Oh mon Dieu. Ah, oh, c'est pas possible. Oh là là, Tissène, ne regarde pas cette vidéo. Oh, oh, je vais faire un coma, une attaque cardiaque, itiling de je sais pas quoi. Pas possible. C'est... Oh là 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 là, c'est pas possible. La qualité du manteau, s'il te plaît. Attendez, il faut que je l'essaye de suite. Ah non, 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 ah non, ah non, c'est pas possible. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre ça. J'ai pris du L. Oh, alléluia. Oh, oh là là. Ah non, mais là, c'est pas possible. Je suis amoureuse du manteau. Trop beau, attendez, je me regarde. Oh, il est un peu grand, je crois. Mais en fait, j'ai pas de pull. Non, ça va, parce que j'ai pas de pull en dessous. Oh, oh là là. Mais, non, mais franchement, je suis amoureuse du manteau. Oh putain. Ah non, mais je fais toute la vidéo avec comme ça, c'est pas possible. Oh, j'en veux deux comme ça, j'en veux trois, je peux t'en... Oh là là, Tissène, faut pas que tu me touches le manteau. Alors, si Tissène me voit ce manteau. Ah, je vous promets qu'elle va me le piquer. C'est... Ah non, 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 non. Ah non, 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 Tissène, je te promets. Regarde bien cette vidéo, tu me piqueras pas le menton, je te le dis. Oh là là. Ah, j'ai du mal à passer à la suite. Ensuite. Mais non, il est hyper doux. Mais quand je vous dis doux, c'est doux. Je vous promets, si vous commandez ce manteau, vous allez m'envoyer des messages toute la journée. Je vais recevoir des milliers de messages en me disant, mais Tisha, mais t'avais raison, il est trop bien ce manteau. Ah, mais j'hallucine. Le manteau qui suit là, je le voulais tellement que finalement j'ai vu celui-là. Peu importe maintenant le manteau, la tête qu'il aura, je m'en fous. J'avais voulu aussi commander ce manteau là parce que je trouvais qu'il était hyper joli. Tiens, elle m'a dit pas que c'est moche. Alors en fait, c'est un manteau qui fait un effet robe en fait. Et ça, avec une petite paire de bottines. Même une petite paire de bottes ou même d'escarpins ou ce que vous voulez. Pas des baskets quand même, n'exagérons pas. Ça, c'est canon. Il y a une ceinture. Ouais, il y a une ceinture, je vais vous l'essayer. Franchement, c'est canon. Oh, mais je suis choquée de la qualité du manteau. Et en plus, il n'est pas cher du tout. Allez voir le lien en barre d'infos, il n'est pas cher du tout. Je sais qu'il n'est pas cher du tout, quoi. Ouais, en fait, finalement, c'est une robe, c'est pas un manteau. Enfin, du moins, il se met qu'avec la ceinture. Voilà, et en fait, il est joli, il est mignon avec les petites épaulettes et tout. Ouais, il est mignon quand même. Regardez. J'ai peur quand je monte sur ce pouf, j'ai très peur. Si, quand même, moi, je le trouve quand même assez mignon. Ouais, ça fait, je pense qu'avec une petite paire de collants noirs et... Si, il est mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. On verra Tissène ce qu'elle en pense en vrai. Mais franchement, si, si. Moi, j'aime bien, et je vous dis, j'aime bien les choses très originales. Et ça, ça fait en fait... Un peu une petite robe, je suis sûre que je mets une petite robe en dessous et ça, et nickel quoi. Ensuite, un pull. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est censé être un pull oversize. Ce qui va être vraiment oversize. Bon, c'est un pull basique blanc qui est censé être oversize avec la petite ceinture comme ceci. Donc là, je vais essayer le pull. Et en fait, vous pouvez le porter. Comme ceci ou comme ceci. Bon, évidemment, j'ai le soutif. Et ouais, ça va. Il est joli parce qu'il est quand même assez large. Et du coup, on voit pas mes formes, mes hanches et tout ça. Ouais. Celui-là aussi, il est super joli. Ah, j'ai des morceaux de laine qui me vont dans la bouche, là.
Ça va pas du tout, Georgette, ça va pas du tout. Ensuite, ah oui, c'est une robe en fait. Ça, c'est une robe. Oh, j'adore ces robes. Oh là là, elle est trop belle. Ah, oh, j'adore ces robes. Je pense qu'elle va être transparente. Il va falloir mettre un truc en dessous au niveau de la poitrine. Mais elle a l'air super belle. Elle est super belle. Par contre, ça sera plus joli avec la ceinture. Je pense. Parce qu'elle est quand même assez large ici. Je vous montre comment elle est douée. Ouais. Elle est super belle, n'empêche. J'aime trop. Regardez. Elle est super jolie. Et je pense qu'avec la ceinture, ça sera plus joli encore. Ouais. C'est plus cintré. Et avec ce petit effet là, dentelle, c'est super mignon. Ah ouais, j'aime trop. Ah, elle est trop belle, j'aime trop. Ah, en plus, j'aime être à l'aise comme ça dans les vêtements. Ouais, franchement, elle est super jolie. Pour l'instant, je suis pas du tout déçue. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Ensuite, c'est quoi ça? Je ne me dis pas que c'est la robe qui est en rupture. Mmh. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas commandé ça, moi. Par contre, Shein, vous êtes un petit peu trompé. Je n'ai pas du tout commandé ça. Non, je n'ai pas du tout commandé ça. Ça, par contre, c'est pas du tout mon style. Ce n'est pas du tout mon style, par contre. Vous êtes un petit peu... J'espère qu'ils n'ont pas, qu'ils se sont pas trompés dans ma commande. Qu'ils n'ont pas envoyé des produits que je n'avais pas demandé à la place d'autres. Je sais pas du tout. Ah non, mais ça me va pas du tout, ça. Ah non, 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 mais ça... Ça ne me va pas du tout. Il y a une ceinture qui va avec... Ah, mais c'est trop bizarre, ça, sur moi. Ah non, j'ai pas... Ah non, mais ça, ça va pas du tout, ça. Je vous montre. Ça me fait le cul large de 300 km de long. Ah non, j'aime pas. Elle est belle, hein, mais pas du tout sur moi. Ah, j'ai peur quand je monte. Elle est hyper belle, hein. Mais par contre, elle est très ouverte. Mais pas sur moi. Enfin, je suis pas habituée à mettre ça. En fait. Oh, mais on dirait que je vais faire prof de français là, s'il vous plaît. Mais sinon, ça c'est très joli, ça par contre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah, leggings. Ah, ouais, celui-ci, je l'ai trouvé super mignon. Bon, je sais pas si je peux vous le montrer porté sans rien parce que moi et mes grosses fesses. Alors, c'est un leggings effet peau de crocodile ou peau de serpent? Je sais plus. Peau de serpent, je crois. Et en fait, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il était ouvert ici devant. Je vais le mettre, vous allez voir. Et en fait, la particularité, c'était ça. Mais c'est pas du tout comme sur la photo. C'est pas du tout comme sur la photo, les amis. Donc, ouais, non. Il est trop grand pour moi. Quelle taille j'ai pris? J'ai pris du XXXXXXL ou quoi? Quelle taille? Je crois que j'avais pris du L, là. Parce que moi j'aime bien, ouais, en fait un legging j'aurais dû prendre une plus petite taille. Après il est joli mais pas sur moi. Ah, c'est du L. Et en fait il taille grand. Ouais, il taille grand, dommage parce que normalement il était censé être serré au pied et faire de jolies, une jolie jambe quoi. Après moi je le porte pas comme ça le legging, je le porte toujours avec quelque chose par dessus mais Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, alors ça c'est une robe en laine mais très longue. Alors ça non plus, je ne l'avais pas commandé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais pas commandé, ça. Attendez, je vais regarder ma commande. Bon, du coup, alors celui-là, je ne l'avais pas non plus commandé. En fait, j'en avais commandé un similaire, mais en gris. La couleur rouille, franchement, j'ai jamais porté. Et je sais pas du tout ce que ça va donner sur moi. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. La couleur, déjà, je sais pas, je sais pas, si j'ai l'impression que ça me grossit. Et encore, elle est pas près du corps, donc ça va. Hop, elle est hyper longue. Voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça me grossit en fait, ici, là. Voilà, mais là, je la scène trop pas, c'est encore pire. Mais ça change, on va dire que ça change en fait. Mais je suis pas habituée. J'ai changé de place, moi, j'étais plus près, il me semble. Ouais. Enfin, on va passer à la suite. Ensuite, alors celle-ci, ouais, celle-ci, je l'ai trouvée super originale aussi. Tu sais, elle m'a dit que c'est pas très beau. Mais moi, j'ai trouvé super originale.
et je la trouve super belle. Alors c'est un pull en fait, et en fait en bas elle a ça. Moi je trouve super belle. Ah oui, elle est toute mignonne, mais ça me va pas. Regardez. Ouais, j'ai l'impression que ça me grossit en fait. Si je mets une ceinture autour, est-ce qu'il y a une petite ceinture là pour voir ce que ça va donner? Je sais pas. Ça me fait des grosses hanches. Je sais pas. Vous en pensez quoi en fait? Regardez comment elle est. Ah, il me fait trop peur ce tabouret. Après, elle est mignonne. Elle est, je la trouve quand même assez originale, les petits pois et tout ça. Mais voilà, il faut que je mette une gaine pour me gainer. Je sais pas. Après non, elle est super jolie. Elle est quand même super jolie. J'avoue, elle est quand même super jolie. Le petit effet, ouais, avec des talons. Si, je pense qu'avec des talons, ça passera. Après la pieds nus, ça donnerait. Je sais pas vous, mais moi quand je... Je sais pas vous, mais moi quand j'essaye des habits pieds nus, ça va jamais. Et une fois que j'ai mis les chaussures et que j'ai complété la tenue, c'est nickel. Mais c'est fou. Donc je disais, parce que j'ai l'impression que je vais être floue tout le long de la vidéo. J'espère pas, parce que c'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. J'espère pas, parce que franchement merci quoi. Si vous pouvez pas voir les vêtements. Ensuite, donc je disais que moi quand j'ai pas complété une tenue, mais en fait ça va pas. Oh non, mais celle-ci aussi je la voulais pas, j'aimais pas. Oh, ils se sont trompés dans ma commande là. Enfin bon, on va essayer quand même. C'est une... En fait, j'en avais choisi une comme ça, mais avec des perles qui fait effet patineuse longue avec des perles. Mais en fait, ils m'ont envoyé ça à la place. Et ça, je sais très bien pourquoi je ne l'ai pas commandé. Parce que ça, ça accroche tous les collants. Ouais, ça, ça accroche tous les collants. Moi, bon, je vais quand même l'essayer. Mais je sais que. Je sais que je vais pas aimer parce qu'en fait la forme de la jupe, franchement je sais pas du tout quoi vous dire. Ouais, c'est la forme. Après je sais pas, peut-être avec des talons ou quoi. Franchement je sais pas quoi vous dire là. Sur cette jupe là je ne sais pas du tout quoi vous dire les enfants. Je me cache un petit peu parce que j'ai mis un débardeur et comme c'est un haut, après je vais essayer, c'est un body. Ce petit body que j'avais trouvé super beau, super super beau, avec les manches comme ceci. Et en fait c'est un body, alors ça par contre j'adore. Ça je vous le dis direct, j'adore. Le body j'aime, il est super beau. Ouais. Ah ouais, celui-là il est super beau, j'aime trop. Ouais, c'est un body, hein. Moi, je ne l'ai pas attaché. Mais voilà, c'est un body, il est super beau. J'ai pris un L. J'aurais dû. En fait, je prends tout en L, moi. J'aurais dû prendre un M. Pour qu'il soit un peu plus serré, vous voyez. Donc, prenez. Prenez pas trop grand. Mais moi, j'ai toujours peur que ça taille trop petit. Je préfère que ça taille un petit peu plus grand que trop petit. Parce qu'après, quand c'est un peu plus grand, on peut le mettre. Mais quand c'est trop petit, on peut pas le mettre. On est dégoûté. Mais franchement, il est super beau. Ouais. Ouais, ouais, il est super beau. Et enfin, dernier article. Alors, ça, je l'attendais avec impatience aussi. Attendez, j'enlève ma jupe parce que c'est une jupe. Je vais essayer. Je l'attendais avec impatience. C'est une jupe. Tissène Amadi, elle est trop moche. J'aime pas, maman. C'est trop, trop original. Et j'espère qu'elle va m'aller. Voilà. C'est une jupe comme ceci. Comme l'autre. Celle que j'ai... Comment ça se détache jusqu'au bout? Comme j'ai commandé, comme la robe que j'ai commandée. Ah bah oui, nickel la taille. Ah ouais, nickel. Ah mais nickel. Alors je sais pas du tout si ça me va, mais déjà avec ce body, c'est canon. J'aime trop. Regardez. Elle est pas belle, franchement. Elle est pas belle. Elle est trop, trop. Et elle me sert pas du tout. Je peux bouger avec. Ah mais ouais, je crois que je vais mettre ça ce soir à l'événement. Je verrai, mais j'aime trop. Ah, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de tout ce que j'ai reçu. Oh là, mais franchement, Shein, c'est un site de la mort qui tue. J'arrête pas de le dire. C'est pas du tout parce que je suis en collab avec eux. Parce que vous savez très bien que même si je suis en collab avec, avec quelqu'un, si j'aime pas, j'aime pas. D'ailleurs, vous avez bien vu la jupe, j'ai pas trop aimé là. Ouais, j'ai pas trop aimé. Puis après, il y a des trucs qui me vont pas. Hein.
Les trucs, j'ai pas flashé, comme le pull, celui-là, là, le rouille. J'ai pas flashé, mais je le mettrai quand même parce que je sais que pour les jours où je n'ai pas trop envie de m'habiller, ça va bien me servir. Mais après, je sais même pas quoi dire, je suis trop contente. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Ça va durer très très longtemps, je pense, cette vidéo. Mais bon, il fallait vraiment vous présenter tous les articles. Et puis voilà, c'est tout. Donc ben on va se laisser, je vous fais des gros bisous, je vous mets tous les liens en barre d'infos, avec mon code promo il sera en barre d'infos, n'oubliez pas qu'il y a des promotions surtout, et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.